Amber, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Est-ce que je suis bien habillée? Jordan dit que le rose va pas avec le rose. Et toi, est-ce que tu es? Oui. Du moment que ça te plaît, c'est le principal. Allez, va dans la voiture, c'est moi qui t'emmène. Papa est déjà parti au travail. Oh maman, je vais encore avoir un mot de retard. Hé, Bonnie va venir te chercher ce soir. J'ai quelque chose à faire. D'accord. Hé, attends. Bonne journée, mon cœur. À soir. Le cerveau de cette évasion ne serait autre que le tueur en série Jeffrey Calgrove. Condamné pour le meurtre d'une femme et suspecté dans 4 autres homicides, Calgrove torturait puis étranglait ses victimes avec une corde couramment utilisée sur les voiliers. Les 5 cadavres ont été retrouvés, la corde autour du cou. 4 des victimes avaient été déposées dans des décharges. Seule Savannah White, une call girl de luxe à la tête d'un réseau de prostitution qui impliquerait des personnalités importantes, a été retrouvée chez elle. Calgrove a toujours nié avoir tué cette jeune femme, mais il n'a jamais démenti son implication dans les 4 autres meurtres. Félicitations, un tueur de moins dans les rues. Perpétuité incompressible, on le reverra plus. On l'a coincé pour Savannah White, mais j'aurais aussi voulu prouver qu'il a tué les 4 autres filles. Elle mérite aussi qu'on leur rende justice. Ça sert à rien de culpabiliser. On l'a eu, il sortira jamais de tôle. Si je l'avais pris en flagrant délit, il aurait pas pu plaider non coupable et on aurait eu des aveux complets. On ne peut pas l'inculper pour les 4 autres meurtres en prouvant que c'est le même mode opératoire? Non, le dernier nœud était beaucoup moins serré. Oui, il a pas eu le temps de finir le boulot. Il a entendu Jackie arriver et il s'est barré. Heureusement que vous avez trouvé ces pièces de monnaie avec les empreintes de Calgrove grâce à cet appel anonyme. C'est vrai, sans ça il sera encore dehors. C'est la meilleure. T'as assuré. Ouais, allô? Sam? C'est Jackie. Oh, t'appelles pour dire bonjour? Joue pas avec moi, c'est dans tous les journaux. Ouais, on est sur le coup. Raconte-moi, je veux des détails. Si je me trompe pas, t'es plus censé être au courant de ce qui se passe dans le service. Depuis le jour où t'as décidé de rendre ta plaque. Je t'en prie, Sam. Calgrove, c'était notre enquête. Ça fait 2 ans qu'il est en tôle et 2 ans que tu m'as pas donné de nouvelles. Alors, c'est comment la vie de mère au foyer? Arrête, c'est sérieux, là. Désolé, tu connais le règlement. Je suis venu m'excuser. Ouais, bonne idée. On forme une équipe. Tu vas me trouver trop sentimental, mais j'aurais apprécié une carte de vœux. Ça. Ça a été dur de partir. J'ai préféré couper les ponts. Essaie de comprendre, c'est pas contre toi. Jolie voiture. Merci. Je me suis fait plaisir. Tu bois toujours des infusions? Non, j'ai arrêté, je suis passé à la drogue dure. Du café bien noir. Pas mal, ta montre. Celle-là, elle me suivra jusque dans ma tombe. C'était un super cadeau d'anniversaire. Même en s'y mettant à 10, elle nous a coûté une fortune. C'est cher, le platine. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? On nous a appelés d'une aire de camping-car à 80 km de la prison. Un résident y a vu 3 mecs qui correspondent à la description des évadés. Le temps que les flics arrivent là-bas, les 2 autres seront morts. Calgrove n'a plus besoin d'eux. Il a un but précis. C'est moi, son objectif. Personne ne le connaît aussi bien que nous. Et il ne s'arrêtera pas à moi. Il s'en prendra à ma famille. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je ferai en sorte qu'il vous arrive jamais rien, ni à toi, ni à Amber.
n'est pas terrible. Allô? T'avais raison. On a retrouvé les copains de Calgrove. Avec une balle dans la tête. Reste joignable, il ira pas bien loin. Tu sais que c'est pas vrai. Ça me rassure pas du tout. Jackie! Jackie! Viens te coucher. Sam? Sam? C'était lui. T'en sais rien. C'était Calgrove. Mais non, ça devait être un gamin qui s'amuse au téléphone. Ça arrive tout le temps. Jackie. J'ai pas envie qu'on revive ça. Il a dit qu'il me ferait payer de l'avoir mis derrière les barreaux. Tu l'as entendu comme moi. Il l'a juré pendant le procès. Ce serait absurde de revenir ici. Les gens malades font des choses absurdes. Il va recommencer à tuer. C'est comme une drogue pour lui. Et plus il se rapprochera de moi, plus il sera excité et plus il deviendra dangereux. Arrête, tu es en train de te faire du mal. Pourquoi tu refuses de me croire? Je sais comment pensent les tueurs, j'ai été entraînée pour ça. C'était mon travail. Je détestais ton travail. Je suis désolée, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre. Comment peut-on faire ce boulot sans en être affecté? Ça t'a miné. Tu projetais tes peurs et toutes ces horreurs sur notre famille. Et maintenant, tu recommences. Sam, dis-moi que c'est terminé. C'est loin d'être fini, espèce de garce. Tu te souviens de moi? J'ai beaucoup pensé à toi. Chaque minute que j'étais enfermé derrière ces barreaux. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu me réponds pas à ta peur, espèce de chienne. Je t'entends respirer. Profites-en. T'en as plus pour longtemps. Je t'ai laissé un petit cadeau. À l'intersection de la 5e et de la 99e. C'est un petit aperçu de ce qui va suivre. Le prochain, ce sera ton mari. Ensuite, ta fille. Tu seras là pour regarder. Et quand j'en aurai fini avec eux, je ferai un joli petit nœud autour de ton joli cou. Il paraît que t'adores les paquets cadeaux. Maîtresse qui l'a dit. Tu vois, le plus important, c'est de bien passer. Sinon, faut tout recommencer. Ils ont trouvé le corps. Ah. Ma puce, monte jouer dans ta chambre. D'accord. Apparemment, c'est une femme blanche d'environ 45 ans. Elle a été étranglée. Avec un joli petit nœud autour de son cou. Il a appelé avec le portable de la victime. Près de Grand Spas, dans l'Oregon. Il sera bientôt ici. Attends, c'est quand même à plus de 600 kilomètres. C'est pas un problème, il se débrouillera. Et Jackie a raison. La seule chose qui surpasse son besoin de tuer, c'est son QI. Richard, il faudrait que vous vous fassiez discret quelque temps. Quittez la ville. Je suis responsable de tout un département à l'université. Il y a des gens qui comptent sur moi.
La sécurité de votre famille passe avant le reste. Allez à l'hôtel avec Amber. Et pour Jackie? Je dois rester ici. Au cas où il essaierait de me recontacter. C'est beaucoup trop dangereux. On veillera sur elle. Il ne lui arrivera rien. Je ne veux pas que ma femme soit utilisée comme appât. Je le fasse. C'est le seul moyen pour que je sois sûre qu'il vous arrive rien. Sois honnête deux secondes. Ça fait longtemps que tu ne te sens pas tranquille. Et même s'il l'attrape, qu'est-ce que ça va changer? Ça va, un mois de plus. C'est seulement pour quelques jours. C'est tout. Salut. Il est bon, non? Sérieusement? Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Ça y est, c'est fini. C'est vrai? Ouais, va voir. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Vous avez peur de la reperdre? Capitaine Bellet, j'écoute. Merci. Les empreintes correspondent. C'est magnifique. Le souffle de l'explosion a fait tomber Calgrove du pont. Les gardes-côtes sont à la recherche de son corps. On le reconnaît à peine. Avec de la chance, on aura peut-être une meilleure image. Tiens, c'est là. Ils ont récupéré les empreintes sur la boîte à clés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a bon goût en matière de bécane. Et voilà. C'est tout? Ça suffit pas pour l'identifier. Les empreintes, ça peut très bien être une feinte, il en est capable. C'est ce qu'on a. Mais on n'a rien, là. Oh, si on le tient. Regardez. C'est lui. On l'a eu. Il aura fallu un coup du sort, mais il est hors jeu. Il faut croire que parfois la chance est de notre côté. Vous avez une femme bien. Allô? C'est Richard. Il faut qu'on se voit. Dans une demi-heure? Bon, à tout à l'heure. Où tu vas? On va bientôt manger. Désolé, j'ai quelque chose à faire. M'attends pas.
Je te trouve tellement séduisante. Le prochain, ce sera ton mari. Ensuite, ta fille. Et quand j'en aurai fini avec eux, je ferai un joli petit nœud autour de ton joli cou. Rachel, arrête! Je sais que c'est toi, Calgrove. Laisse ma famille tranquille, tu m'entends? T'as pas intérêt à t'approcher d'eux. Tu as compris, espèce d'ordure? Amber? Je suis vraiment désolée. Viens me voir, chérie. T'es fière de toi? T'as besoin d'aide. Il faut que tu retournes en thérapie. Entrez, Jackie. Avec les autres élèves. Richard n'a pas appelé. Amber n'a pas rendez-vous chez le dentiste. J'ai trouvé ça bizarre. C'est ma secrétaire qui a pris l'appel et quand j'ai rappelé pour vérifier, personne n'a répondu. Il y a un problème? Ma fille est en danger. S'il vous plaît, surtout, méfiez-vous de cet homme. Si vous le voyez, appelez-moi. C'est celui qui était dans les journaux? C'est Jeffrey Calgrove. Ils ont dit qu'il était mort sur le Golden Gate Bridge, mais ça n'a pas été confirmé. Très bien, surtout ne vous inquiétez pas. On gardera un œil sur Amber. Merci beaucoup. Je vais en parler à la directrice. On va faire des copies de la photo et la distribuer à tout le personnel. Salut. Merci pour l'invitation. On fait quoi? Il faut rouvrir l'enquête, Sam. T'es pas sérieuse, là? Tu sais que je peux pas faire ça. C'est terminé, on a la preuve que Calgrove était sur la moto. J'ai reçu d'autres coups de fil. Est-ce qu'il s'est identifié? Vous avez discuté tous les deux? Il a appelé l'école d'Amber en se faisant passer pour Richard. Il voulait aller la chercher. Qui que ce soit, on va retrouver ce pervers. Mais c'était pas Calgrove. Et s'il avait survécu à la chute? Oh, tu plaisantes. Non, il y a au moins 15 personnes qui s'en sont sorties ces 5 dernières années. Combien de centaines sont tombées? En pourcentage, c'est infime. Les gardes-côtes ont fouillé la baie. La marée a emporté ce qui restait de lui. Les requins s'en chargeront. S'il a souri face à cette caméra, c'est parce qu'il voulait me narguer. Il est dans sa phase de domination. Quand est-ce que tu vas arrêter ces bêtises? Il est mort. Alors quoi? Tu vas continuer à avoir peur jusqu'à la fin de tes jours? Il a l'intention de tuer ma famille, Sam. Laisse-moi juste avoir accès à son dossier. Pourquoi faire? Essayez de retrouver Margaret, elle saura où il est. Cette vieille junkie a dû rendre l'âme depuis le temps. Je t'en prie, laisse-moi au moins lire le dossier. Tu sais très bien que je peux rien te refuser. C'est du harcèlement. Je me débrouillerai pour le reste. T'es vraiment une chieuse. Tu vas m'inviter au resto. D'accord. Je vais commander du homard. Hey, tu peux te le permettre? T'as vu le bateau que t'as là? On l'a vendu pour en acheter un autre. Un plus petit avec un nouveau nom. Il va s'appeler Sérénité. Sérénité. Richard rêve qu'on parte tous les trois naviguer loin d'ici. C'est trop de boulot, hein, voilier. Moi, j'achèterai un yacht. C'est l'équipage qui s'occupera de tout. Moi, je pourrai me reposer. Tu voudras venir? Il va y avoir un problème. Je te rappelle que j'ai une famille. Ah, ils peuvent venir aussi. Tu croyais que je t'inviterai seul? Jackie, c'est pas très sympa pour les autres.
Allô? J'avais envie de cuisiner des côtes d'agneau ce soir. Oui, c'est une bonne idée. Bonnie ira chercher Amber à l'école. Tu pourras acheter la viande chez le boucher? Je veux pas avoir le temps. Où es-tu? Je suis en thérapie tout l'après-midi. D'accord, oui, je m'en occupe. Merci, chérie. À ce soir. Allô? C'est Richard. On ne devait pas se voir à 17h? Tout à fait. Oh, j'avais un doute. D'accord, à tout à l'heure. Je cherche une femme qui s'appelle... C'est ma seringue. Putain, comment je vais faire maintenant? Écoute-moi, s'il te plaît. T'habites dans le coin? Je cherche une femme du nom de Margaret Calgrove. Elle habitait au numéro 6 avec son fils, Jeff. Écoute, si tu sais quoi que ce soit, la moindre information, je te dédommagerai. Appelle-moi si tu la vois. T'as passé une bonne journée? Oui, on a récolté la moitié de la somme pour notre voyage de classe. Dis à ton père où vous allez. On va à Sacramento visiter le musée du train et le Capitole d'État. Hé, hey, c'est super ça. On était d'accord. Pas de coup de fil pendant les repas. Mince. Maman? Vous inquiétez pas, c'est les plans qu'on sautait. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher une lampe torche. Non. Reste avec Amber, je vais aller voir. C'était quoi? Viens là. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je vais aider ta mère. Jackie? Ça va? Oui, ça va. Je vais bien. J'ai vu quelqu'un s'enfuir de la maison.
Jackie, je croyais qu'on s'était mis d'accord. Plus d'armes à la maison avec Amber. C'était Calgrove. T'en sais rien du tout. Après ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas grave. Bien sûr que si c'est grave, il essaie de venir chercher Amber à l'école. On rentre. Mais écoute-moi à la fin. Il faut qu'on cache ce truc. Je t'en prie, Jackie. Essaie d'avoir un comportement normal devant Amber. Ne prend aucun plaisir à tuer. Tout ce qu'il veut, c'est dominer. Et il n'a ni maltraité ni torturé Savannah White. Il t'a entendu arriver, tu l'as interrompu. C'est la seule explication logique. La personne qui m'a prévenu avait une bonne raison. Sinon, pourquoi se manifester? Ce qui est sûr, c'est qu'elle tenait à rester dans l'ombre, ne pas être connue de nous et de Calgrove. Qu'est-ce que c'est? Bonnie. Bonnie! Bonnie, où est-ce que tu es? Elle répond pas! On a besoin de renforts au 14 Tailwind Street. Allez si doucement, il y a un enfant dans la maison. Bonnie, où est-ce que tu es, bon sang? Bonnie! Pourquoi elle rappelle pas? Reste là. Jackie, reste là. Police, ouvrez la porte! Désolé de vous avoir fait venir pour rien. Encore merci. Tu sais, on est juste allé au centre commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Oui, on a eu une petite urgence. C'était génial, papa. Tous les policiers sont arrivés en même temps, comme à la télé. Amber, va dans la maison, j'arrive tout de suite. Il a envoyé un autre SMS. Il disait qu'il avait Amber. Ça m'a emmené chez Bonnie. Finalement, c'était une fausse alerte. Je veux plus que ma femme s'occupe de cette affaire. Il n'est pas de ton côté, Jackie. Il l'a jamais été. C'est pas vrai. Richard a beaucoup de travail en ce moment. Il est juste un peu stressé. Ne lui trouve pas de fausses excuses, tu mérites mieux. Non, arrête ça. Tous les couples ont des problèmes. C'est un homme bien, un père génial. Il est loyal. Réveille-toi, Jackie. Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? De quoi tu parles? La loyauté, c'est pas à sens unique. Tu sais pas voir le vrai visage des gens qui te sont proches. Attends. C'est toi qui as commencé. Tu crois que je vais te laisser t'en aller comme ça? Qu'est-ce que tu insinues? Que Richard a une liaison? T'as qu'à demander à ta psy. Il sort avec le docteur Dilson? Tu veux dire qu'il me trompe avec elle? Depuis combien de temps? T'en as trop dit ou pas assez, alors maintenant réponds-moi, s'il te plaît. J'ai aucune certitude. Désolé. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Est-ce qu'il l'emmène lors de ses conférences? Ils vont dans quel hôtel? Tu sais combien d'argent on a sur notre compte en banque? Est-ce que tu sais combien d'argent j'ai dépensé sur ma carte de crédit le mois dernier?
Et comment t'es au courant que je suis suivie par un psy? Comment oses-tu t'immiscer dans ma vie privée? Pourquoi tu me laisses pas vivre ma vie? Tu le sais très bien. Super. Tante Elaine me dit que le zoo de San Diego a plein d'animaux qu'on peut voir de très près. C'est génial. Merci, t'es trop gentille de la prendre quelques jours. Arrête, c'est un plaisir. En plus, à la dernière minute. Ça va être chouette. Pourquoi tu m'as pas dit qu'Elaine venait? On a improvisé ça au dernier moment. Un ami lui prête un appartement sur la plage et elle a proposé d'emmener Amber. Comment tu peux prendre de telles décisions sans m'en parler? Parce que je savais que tu dirais non. Oh, je t'en prie. Notre fille est en danger. Jackie, t'as tout manigancé derrière mon dos. Mais quand est-ce que tu vas enfin réaliser ce qui se passe? Calgrove a pris des photos de Amber. Il l'a suivie jusque chez Bonnie. Il faut qu'on la protège. Attends, tiens, regarde. Il n'y a rien du tout. Ni photo, ni message. Il a dû trouver un moyen de les supprimer. C'est pas possible. Bien sûr que si, il y a des logiciels qui font ça, t'as qu'à te renseigner. Je sais ce dont il est capable, je le connais bien. Il peut pas m'attacher à une chaise. Alors c'est sa manière à lui de me torturer. Les photos étaient là, demande à Sam. Tu essaies seulement de ramener Sam dans ta vie. C'est ridicule. Tu crois que je sais pas que tu pensais tout le temps à lui? Il fallait toujours que tu ramènes ton travail à la maison. Richard. Je pense que t'es amoureuse de lui. Richard, je ne t'ai jamais trompée. Tu peux en dire autant? Comment tu peux me demander ça? Elle a subi énormément de stress ces derniers jours. Vous pourriez peut-être lui donner quelque chose pour l'aider à se décontracter? Oui, bien sûr. On va s'en occuper. J'arrive tout de suite. J'en ai pour 2 minutes, d'accord? Parfait. Jackie, tout va bien. C'est seulement une précaution. Le docteur a dit que tu allais bien. Madame Wincroft, vos radios sont bonnes. Vous n'avez rien de cassé. Vous avez eu de la chance. Vous devez vous sentir un peu faible. Quand est-ce que je vais sortir? Vous avez eu une commotion cérébrale. Nous allons vous garder en observation. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. D'accord, je repasserai demain. J'ai appelé Teresa Dilson, je lui ai demandé de passer te voir. Richard... Pourquoi? Et si Amber avait été dans la voiture? On a besoin de toi.
Je sais pas ce qu'on deviendrait sans toi. Peu importe le temps que ça prendra, tu dois te remettre sur pied. Sam Baxford. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? J'étais en train de conduire. J'étais énervée. J'ai regardé à côté de moi et il y avait... une corde avec un nœud. J'arrive tout de suite. Non. Richard peut revenir et je veux pas qu'il te voie ici. T'as besoin de quelque chose? Ma voiture. Elle a été remorquée, je sais pas où elle est. Je vais la retrouver. La corde doit toujours être dedans. T'inquiète pas, je m'en occupe. Sam... le docteur veut me garder en observation. Mais je pense qu'ils essaient de me retenir ici. J'ai besoin d'une voiture. Il faut que je sorte de là. Bonjour. Et vous êtes quoi comme genre de flic ? Brigade criminelle. Je suis spécialiste en analyse comportementale. Y a quelqu'un qui est mort là-dedans? Je croyais que c'était juste une bonne femme qui s'était payée un poteau. C'est vrai. Mais ce véhicule est aussi impliqué dans une autre enquête. Ah, c'est vraiment une histoire de dingue. Remarquer, voir des macchabées toute la journée, ça doit rendre un peu taré. On s'y habitue. Je vais pas me plaindre. Moi, au moins, j'ai un boulot. Y a tellement de gens au chômage. Ouais. Moi, je dis que c'est tous des fainéants qui vivent sur le dos du système. Vous savez que vous n'avez rien de droit de prendre dans la voiture si vous n'avez pas un mandat. Ah ouais, c'est vrai? Ça vous dit rien, le 4e amendement, le droit des citoyens? Un flic, ça devrait le savoir, non? J'ai terminé. Bonne journée. Chambre de Jackie Wincroft. Bien sûr, c'est celle du fond. Elles sont magnifiques. Comment vous sentez-vous? Sonné comme si j'avais perdu un combat de boxe. J'ai parlé au docteur Porterson, le psychothérapeute. Il dit que vous ne l'avez pas appelé. Vous devriez rester ici quelques jours. Vous avez l'air très fatigué. Je vais bien. Vous ne pensez pas qu'un peu de temps loin de votre quotidien, de votre maison, de votre famille, vous ferait le plus grand bien? Comment ça se passe avec Richard? Je le trouve de plus en plus distant. Je crois qu'il a une liaison. Tout est très confus dans votre esprit en ce moment. Raison de plus pour faire une pause. Le pavillon Fleury est très reposant, très calme. Oui, j'ai vu les brochures. Nourriture excellente, thérapie de groupe. Porte sécurisée. Pas dans le quartier où vous serez. C'est une maison de repos pour vous permettre de décompresser et de prendre du recul sur ce qui vous arrive. Alors seulement quelques jours. Je vais les contacter. Là, j'ai envie de dormir. Bien sûr. Prenez tout votre temps.
Comment va ma voiture? Ça pourrait aller mieux. Ils l'ont emmené à la casse. Le gardien se prenait pour un shérif. Ils vendent la même corde dans toutes les boutiques d'équipement nautique de la côte. Mais on va l'analyser, on verra ce que ça donne. Je t'ai pris une chambre d'hôtel. La réservation est dans la boîte à gants. Merci. J'aurais pas dû te parler à propos de Richard. Je pense qu'au fond de moi, je le savais. Le plus dur, c'est que ce soit toi qui me l'aies dit. Fais attention à toi. Bonjour. Vous reconnaissez cet homme? Ouais, c'est le fugitif. On l'a vu partout à la télé. Est-ce qu'il est venu? Il vous a acheté quelque chose? Non, je me serais souvenu de lui. Hey, il a piqué une tête, non? Il est pas tombé du pont avec sa moto? C'est vous qui cherchez la merde. Jeffrey. Vous l'avez trouvé? Ouais, apportez la thune. Je vous attends. Hé, t'as le pognon? Donne-moi le pognon. Seulement quand j'aurai une adresse. Allez, toi. Et une vraie, pas d'embrouille. Oh putain, t'es une flic. Tu l'as ou pas? Si t'as menti, je te retrouverai. Margaret, c'est vous? Vous vous souvenez de moi? Je sais pas, je suis pas trop sûr. Margaret, je me demandais si vous pourriez me parler de Jeffrey. Vous n'avez qu'à regarder la télé, il parle que de lui. Mon Jeffrey est mort. Sinon, il serait ici, aux côtés de sa petite maman. Je suis désolée. S'il n'était pas allé en prison, il serait toujours là. Il n'a jamais tué cette fille, Savannah White. Cette nuit-là, mon garçon était à la maison avec moi, à la maison avec sa maman. J'aurais dû leur dire à tous ces gens, j'aurais dû leur parler et leur dire qu'il fallait me laisser témoigner la main sur la Bible. Margaret, vous n'étiez pas un témoin crédible. Vous aviez consommé de l'héroïne cette nuit. Comment être sûre qu'il était là? Si, je le sais. Mon petit garçon était la seule personne que j'autorisais à me piquer, vous voyez. Et de toute façon, il aurait jamais tué une prostituée, c'est sûr.
Comment vous le savez? Mon fils est né d'une mère prostituée. Il a toujours su ce que je faisais pour lui donner à manger. Il a jamais eu faim, pas une seule fois dans sa vie. Il adorait sa maman. Mais je vous reconnais. C'est vous qui l'avez accusé du meurtre. Menteuse. Je suis une horrible. Vous brûlerez en enfer pour ce que vous avez dit. Sortez de chez moi. Sortez. Sortez de ma maison. Sortez. Sortez. Ah, menteuse. Vous avez tué mon fils. C'est de votre faute. Il est mort. C'est à cause de vous. Il a pas tué cette femme. Mon garçon n'a jamais tué cette fille. Salut, Elaine. Amber est là? Oui, oui. Amber, c'est ta maman. Salut, maman. Tu me manques. Bonjour, mon petit cœur. Tu t'amuses bien? Oui. Le zoo, c'était trop bien. Ils ont un bébé girafe. Oh, j'aurais tellement voulu être avec toi. Tu me manques, tu sais. Moi aussi, je voudrais que tu sois là. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Jackie! Ah, t'es là. Tu sais que tu m'as fait peur.
Il n'a pas pu m'entendre arriver. Les JT le prouvent. J'avais complètement oublié qu'il y avait un marteau-piqueur devant l'immeuble le jour du meurtre. T'as des envies suicidaires ou quoi? T'es poursuivi par un tueur et toi tu te balades tranquillement dans les rues? C'est moi qui ai témoigné contre lui. J'ai prêté serment. On a raté un truc et alors? Calgrove est une véritable ordure. Pourquoi ça te travaille à ce point? C'est important. Si ça se trouve, il y a un tueur en liberté. Ouais, bah ce serait pas la première fois et certainement pas la dernière. T'aurais jamais dit ça il y a encore 2 ans. Il y a des choses plus importantes auxquelles tu devrais penser en ce moment. Tu parles de toi, Sam? Je parle de ta fille. Si t'es morte, tu serviras plus à personne. Et c'est vrai, t'as raison, je parle de moi aussi. J'avais enfin réussi à t'oublier et voilà que tu réapparais dans ma vie. Ça me rend dingue, tu comprends? Tu devrais aller dormir. Ça va être dur. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire semblant qu'il se passe rien entre nous? Sois honnête avec toi-même. Reconnais que ça a été aussi dur pour toi que pour moi de plus se voir tous les jours. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sam. Je suis sérieux. Richard t'a trompé, Jackie. Excuse-moi. Non. J'aurais pas dû faire ça. Veuve à 15h. Capitaine Belay. C'est Jackie. Vous pourriez joindre Sam pour moi? Où est Richard? Au cabinet de Teresa Tilson, 80 quai de Montavenue. La porte, elle avait son pistolet pointé sur moi et elle visait ma tête. J'étais terrifié. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous vous rendez compte de la galère dans laquelle vous nous mettez? Attendez, on a agression à main armée et collusion avec un agent. On est mal s'il porte plainte. Calgrove m'envoie des messages. Ah oui? Et comment il fait? Il est mort. Prouvez-le-moi. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. Vous ne faites plus partie de nos services. Et par conséquent, vous n'avez plus accès à nos archives, ni à nos équipes. Sam y compris. Calgrove me nargue. Il m'envoie des messages et il les supprime. C'est vrai, j'en ai vu un.
Bah oui, il faut toujours que vous soyez de son côté, vous, hein? Non seulement le concierge va nous poser problème, mais il y a aussi votre psy qui est en train de faire une déposition. Quoi? Pourquoi elle fait ça? Elle dit qu'il est de son devoir de signaler tout problème vous concernant. Sans blague, et vous la croyez? Sérieusement? C'était pas la première fois que vous avez des soucis. Alors non seulement vous couchez avec mon mari, mais en plus vous voulez me faire enfermer? Jackie, je ne couche pas avec Richard. Écoutez, si je suis là, c'est parce que je suis réellement inquiète pour vous. C'est pas la peine de nier, j'ai des moyens de savoir. Il va chez vous, vous vous rencontrez dans différents endroits, il y a eu des coups de fil. Richard est l'un de mes patients. Il n'y a absolument rien entre nous. Je ne vous crois pas. Pourtant, il va le falloir. Je ne vous en dirai pas plus, j'ai déjà brisé le secret professionnel. Secret professionnel? Jackie, il faut que vous parliez à Richard. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voyais Teresa? Je peux plus continuer. Je vais sur le bateau. Richard, qu'est-ce qui se passe? Je sais jamais comment tu vas réagir. Je peux pas discuter avec toi. Mais je suis ta femme, tu peux tout me dire. Non. Je peux pas. Il fut un temps où je pouvais, mais c'est plus le cas. Au début, je suis allé à son cabinet parce que je voulais essayer de comprendre ce que tu traversais. Et pour pas laisser ce fossé s'installer entre nous. Mais rapidement, j'ai arrêté de parler de toi. Je lui parlais de moi. C'est devenu plus simple de parler avec elle qu'avec toi. Ma propre femme. Tu aurais dû venir me voir. On était heureux. Jusqu'à ce que Calgrove débarque dans notre vie. Mais je ne l'ai pas invité, figure-toi. Il est mort. C'est un fantôme, mais pour toi, c'est toujours pas fini. Il sortira jamais de nos vies. La preuve en est que t'as failli tuer un innocent aujourd'hui. Allô? Salut ma belle, ça va? Ouais, oui, ça va. Ça a pas l'air, j'entends son de ta voix. T'as entendu Bailey? Je suis source de problèmes. Il vaut mieux que tu m'évites. Ça risque pas d'arriver. Tu te demandes jamais comment seraient nos vies si on s'était pas rencontrés. Triste, c'est sûr. Ce serait tellement plus facile. Tout serait beaucoup plus simple. Je suis de ton côté, Jackie. Tu peux pas en dire autant de tout le monde. Tu veux vraiment qu'on arrête de se voir? Je sais pas. Je sais plus trop où j'en suis. Il faut que je te laisse, Richard est là. Ouais. Super nouvelle. Écoute ça, je vais faire un speech au DEFCON. Oh, c'est quoi le DEFCON? C'est quoi le DEFCON?
Juste la plus grande convention à cœur du monde. Je vais faire deux présentations. Comment pirater les systèmes informatiques et petits secrets du FBI. Et ils vont me laisser vendre mon DVD tout savoir sur le fuzzing. C'est tout bénef pour moi. C'est quoi le fuzzing? C'est une technique où on bombarde un programme avec des données aléatoires pour tester sa vulnérabilité. Mais attends, c'est pas illégal de faire ce genre de choses? Hé hey! En apprenant aux gens comment ça fonctionne, on leur rend service. Ils pourront pas se faire pirater. Oh! Tu veux regarder mon DVD? Je suis sûre qu'il est bien, mais quand je serai moins fatiguée. Ah, c'est vrai, j'avoue que t'as l'air crevée. J'ai passé en revue tous les documents que tu m'as envoyés et j'ai rien trouvé de nouveau. T'as le cerveau en surchauffe. Savannah White avait tout verrouillé. Ah, ça, c'est clair. Je me souviens, pendant l'enquête, on n'a même pas réussi à savoir qui étaient ses clients. On dit qu'elle a bénéficié de la protection d'un flic ou de quelqu'un de bien placé. Lui, il faisait tout le sale boulot et elle, elle faisait fructifier son affaire et ils se sont associés. Hugo, je sais qu'on peut envoyer des messages et des SMS en différé, mais est-ce qu'on peut les supprimer à distance? Ouais. Ouais, c'est possible. Adieu, petit mari, sur le Sérénité. Tirez sur mon mari, blessure par balle à la poitrine, on est au port de plaisance. Non, attends, je vérifie quelque chose. Non, ça va, il est stable. Tant mieux. On l'emmène à l'hôpital central. Son rythme cardiaque est stabilisé. Ça ira, vous inquiétez pas. Bonjour, c'est Elaine. Laissez-moi un message. Elaine, rappelle-moi vite, c'est très urgent.
T'es toujours là? Alors ça y est, c'est la confrontation finale. Juste toi et moi. Où est-ce que tu te planques, mon sang? Là. Je sens ta présence. C'est pas ton style, pourtant. De préparer un joli petit nœud et de t'en aller. Pendant tout ce temps, j'essayais de rentrer dans la tête d'un tueur. Seulement ce tueur, c'était toi. C'est pas vrai, Sam. C'était plutôt malin de faire croire que Savannah avait été tuée par Calgrove. Ouais, j'étais assez fier. Pourquoi tu l'as tuée? Elle te payait pas assez? Elle a refusé ma proposition de faire moitié-moitié. Pourtant, c'était généreux de ma part. Ensuite, elle a voulu me faire chanter. J'étais obligé de la tuer. Pourquoi t'as fait ça, Sam? Comment résister? Quand Calgrove s'est évadé, c'était un signe. Toi et moi, en effet, l'un pour l'autre. Je voulais pas te perdre encore une fois. Tu m'as persécuté! T'as fait du mal à tous ceux que j'aime! Richard ne t'aime pas, et tu le sais. Il fallait le quitter, Jackie! C'est tout ce que t'avais à faire! Alors, je me suis chargé de lui. Pour toi. T'es malade! Rends-toi à l'évidence. Tu m'appartiens, Jackie. Plus maintenant, Sam! Ne m'oblige pas à tirer. Ne m'oblige pas à te tuer! Jackie. J'adore quand tu joues les durs. Alors raconte. Comment t'as su que c'était moi? Le nouveau bateau. Le bateau? Tu étais le seul à savoir qu'on allait baptiser notre nouveau bateau, Sérénité. Magnifique. T'es vraiment la meilleure. Mais ça prouve rien. Et tous les messages que tu m'as envoyés, Sam, ce sont des preuves. J'ai réussi à les retracer. Leur origine, l'endroit et l'heure à laquelle ils ont été envoyés. Et je suis en train de t'enregistrer sur mon téléphone. Enlève tes mains. Allez. J'espère que ça te dérange pas. On n'a pas besoin de ça, pas vrai? Non. Ça va aller. T'es tellement sexy. Thank you.
Voici mon rapport, chef. Cette fois, il n'y a pas d'erreur. Parfait. Content de vous revoir. Vous êtes prête à reprendre le service? Ma place est ici, capitaine. Je ne me sens bien qu'en faisant ce travail. Pour information, nos équipes peuvent bénéficier d'un soutien psychologique en cas de besoin. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un ou quelque chose me prendre l'un des miens ou m'empêcher de faire ce qui me tient à cœur. Tous les Calgrove du monde n'ont plus ce pouvoir sur moi. Si vous voulez m'excuser, je dois rentrer pour le dîner. Embrassez Amber de ma part. Elle est de retour. T'as attrapé des méchants aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je peux pas en attraper tous les jours. C'est parce que les méchants savent qu'ils ont plutôt intérêt à éviter ta mère. C'est ça, le bonheur. Alors. Attends,